Alors bonjour et bienvenue sur notre émission en terre inconnue. Donc Denis va vous dire le sujet d'aujourd'hui. Alors le sujet d'aujourd'hui, c'est les cigales. Les cigales. Pourquoi les cigales? Parce que ce matin, figurez-vous que on est au mois d'octobre et... ce matin, c'était à midi. Hein. Oui, à midi, au mois d'octobre. Et donc, des cigales chantent. Et Denis se demandait si ça avait pas un rapport avec les marmottes. Ouais, mais pourquoi? Par rapport au réchauffement climatique. Voilà. Et voilà. Donc encore une fois, encore un indice sur le fait que le réchauffement climatique, il perturbe tout le monde. Même les cigales. Ouais. Les cigales. Elles sont ressuscitées, les cigales. On est là combien? Le 5 octobre Non. 4, 5. Je sais pas. Si, enfin, on est début octobre. Ouais, voilà. Et certains jours, bon, mercredi, ça c'est sûr, on est mercredi, machin, octobre. Attends, on est le 4, on est le 5 octobre. Bon, voilà, on est le 5 octobre, mercredi 5 octobre, t'es sûr? Ouais. 2. Bon, je sais pas, oui, voilà. On est en émission là, je vous rappelle. Mercredi 5 octobre, et à 13h par là, on a entendu des coups. Les cigales. Et papa se demandait, mais c'est des criquets, c'est pas possible. Ben ouais, attends, c'est les cigales, criquets. Les cigales. Mais les criquets, c'est le soir. Eh ben peut-être qu'il y a le réchauffement climatique, eh ben les criquets, ça veut plus se casser le soir ou l'après-midi, matin, je sais pas, ils sont perturbés, on a les marmottes. Ils sont perturbés, les loutres sont perturbés. Ah bon, les loutres? Ouais. Ah, en fait, nous, les loutres. Les loutres, elles sont perturbées, ou bien on s'en verra un autre sujet, parce que la loutre, c'est plus compliqué quand même. On a tout le temps qu'il faut aller. Non, mais là, on va faire court parce que. Raconte-nous la loutre, monsieur. Ça fera le sujet d'une autre émission, parce qu'il faut. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Oh putain, ça me déconne, il va faire du vélo ailleurs, hein, mon. Le gars, au fait du vélo, il est à 2 km/h. Il fera une pente au moins pour aller plus vite. Enfin, bref. Voilà. Donc, cigale, ouais. Réchauffement climatique, on en revient. Tu vois, et l'autre aussi, on en parlera, ça fera l'objet d'un prochain sujet de nos émissions, ponctuelles, comme ça. Et voilà. Donc? Donc, on voulait vous raconter ce sujet. Donc, aujourd'hui. Donc, c'est grave quand même, oui. On s'en rend pas compte, mais le réchauffement climatique perturbe la planète, quoi. Ouais. Aujourd'hui. Même les fourmis j'ai trouvé moi. Toujours je marchais, je faisais une petite marche d'orientation. Et on s'est rendu compte que les fourmis, elles ne se suivaient plus comme avant. Ouais, les fourmis sont toujours comme ça, tu vois. Voilà, elles partaient carrément biberines. L'une à droite, l'autre à gauche. Rien compris. Ça aussi, ça fera l'objet de. Je ferai un film la prochaine fois, je filmerai. Pour analyser un peu le comportement des fourmis. Monsieur, aujourd'hui je répétais. Tiens, c'est le bordel ici. Vas-y. C'est une émission spéciale. Parce qu'on n'est pas mardi, on est mercredi. Ouais, alors là c'est tout à fait une émission, comme on dit, inédite. Voilà, spéciale, inédite, parce qu'aujourd'hui on a entendu chanter les cigales. Les cigales, oui. Mercredi 5 octobre 2016. À Roquevert. 12h31. Roquevert, alors peut-être parce qu'on est au pied, parce que Roquevert c'est où on a pissé, le pied du gars là-bas, ouais, hein, le pied. Il y a eu le pied, il y a le pied, voilà. Ouais. Ouais, c'est en dessous, le voilà, pied. Le pied, tout en bas. Ben peut-être que c'est ça en fait. Oui. Je sais pas. Ouais. Enfin, voilà. Mais sinon, ouais, à part ça. Moi j'espère que. Oh, qu'est-ce qu'il faut lui? Il tourne à droite ou il tourne à gauche? J'espère que tout va aller, que ça va pas s'aggraver et. Des conséquences à la suite de notre vie, quoi, parce que c'est inquiétant. Enfin, voilà. En tout cas, ils n'ont pas chanté longtemps. On a entendu. Et puis après, plus rien. Je sais pas, alors peut-être que c'est des cigales. Comme elles dorment quand elles chantent pas, elles dorment pour attendre l'été d'après. Peut-être qu'elle a fait un cauchemar. Moi, je me dis ça. Elle a fait un cauchemar, ça l'a réveillée. Et elle a chanté, elle s'est dit, oh putain, quand elle a réagi, elle s'est rendu compte qu'on n'était pas en été, elle a dit, oh putain, ça caille ici. Hop.
Elle s'est rendormie. Moi je passe parce que ça peut pas arriver, cigale au mois d'octobre. Non mais ça me déconne, t'as déjà vu, moi j'ai jamais vu ça. Donc je soulève une hypothèse, hein, que ce soit peut-être un cauchemar qui elle s'est mis là pour passer l'hiver, tu as vu. Et là, un cauchemar, surtout le cauchemar il viendrait de quoi? Réchauffement climatique encore. Tu vois? Mais oui. Voilà. Parce que quand t'as chaud, tu es souvent, t'as vu l'été, tu as du mal à dormir, t'as chaud, tu transpires. Hein, oui. Tu te réveilles, quoi, oh, fait chaud. Et je pense que c'est ça. Comme il a fait chaud aujourd'hui, ça l'a réveillé. Il a... Et du coup, il s'est rendu compte que non. Hein. C'est comme nous au collège. Ouais. Quand ça sonne. Oh là là, il y a la sœur. Il fallait rigoler là ou quoi? Tu rigoles avant. Ouais, mais là, franchement, j'ai rien compris ton truc. C'est les sœurs de quoi? Il y a la sonnerie. Oh là là, il y a les sœurs. Ah. Les sonneries, c'est des chœurs qui chantent. Ah non, laisse tomber. Oui, non, parce qu'il faut savoir, parce que Luna est dans un collège privé, ça s'appelle Saint-Augustin. Et collège chrétien catholique. Saint-Augustin. Donc en fait, la sonnerie, c'est pas le. En fait, c'est des chœurs qui font. Amen. Non, la sonnerie. Nous, notre sonnerie, c'est. Et là, il y a Augustin qui sort, il fait. C'est la récréation. Non. Nous, notre sonnerie, elle fait. Attends. Elle fait quoi? Papa, papa. Ouais, comme à l'église. Papa, en orgue. Papa, papa. Comme les orgues à l'église, là. Et ouais, putain. On va ramener. Donc voilà. Donc feu rouge. Comment ça s'appelle, j'oublie là? Parce qu'il y a aussi ça aussi qui crée les. Ceux qui font des trous qui sortent de la terre, hein, qui sortent à la terre. Les tops? Les tops, non. C'est pas les tops. Les tops? C'est les tops? Oui, c'est les tops. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elles ont encore? Ben, elles sortent à une certaine période qu'elles ne devraient plus sortir. Mon dieu, le réchauffement climatique. Il paraît que les terrains de golf, ils se plaignent. Hein. Il y a eu des accidents. Oui, il y a eu des accidents à une voiturette. Le mec, il se déplace au terrain de golf. Tranquille. D'un coup, la top, elle fait le trou, elle sort de la tête. Le golfeur. Le golfman là, ou je sais pas comment dire, avec la voiturette, il veut l'éviter et ça crée des accidents. Le mec s'est fait écraser en train de jouer au golf. Voilà. On dit ouais, ça cause de la top, ouais, cause de la top. Enfin voilà. Mais voilà, nous sommes toujours en direct d'Aubagne. Hein. Nous sommes en plein centre-ville. Voilà, là on est devant l'horloge qu'on appelle l'horloge d'Aubagne. Non, hein, parce qu'à Aubagne, au centre-ville, il y a un repris, il y a une horloge, on appelle ça l'horloge. Ben oui, parce que c'est une horloge. Ben ouais. Bah, du coup, c'est le rond-point. Donc voilà, un mercredi, 5 octobre, on a entendu les cigales. On n'a pas eu le temps de réflexe de filmer. Hein. Mm. Quoi qu'on les aurait pas vus, mais on aura entendu le bruit. Parce que... Et toi qui disais que c'était des cris. Ben ouais. Bon voilà, j'espère que tout va bien. Tout va bien. On va vous laisser hein, pour la prochaine, à la prochaine émission. Arrivé, ouais, t'es arrivé là, voilà. Non, on n'est pas arrivé. Voilà, on vous montrera un jour. Attends, quoi qu'on peut faire, attends. Non, on peut pas faire. Basculer l'image, on peut pas pour montrer, on peut faire visiter au bagne. Bon, la prochaine fois, on fera. Ah ouais, on le montrera et la prochaine fois, on fera une vue. Ouais, voilà. Voilà, et vous entendrez, vous entendrez nos voix. Nos voix, mais nous ne vous verrez pas, mais vous saurez que c'est, voilà. Que c'est nous, quoi. Hein, voilà. Hein, d'accord. Ouais. Voilà. Donc là, nous sommes actuellement dans un gros bouchon. Mais non, il n'y a pas le bouchon. Y a... Voilà, allez. Bon ben... Non, attends, c'est moi qui éteins. Oh, c'est quoi la femme au talon sur la femme? Allez. Bon ben, je vous souhaite une excellente journée. Et c'était notre émission. Ben, ça ne me voit pas. Et je vous souhaite une excellente... Je vous souhaite une excellente journée. Et soirée plutôt. Hein, on est le soir, il est 19h. C'était notre émission. C'est quoi déjà notre émission? Terre inconnue. Ah oui, bienvenue en terre inconnue.